نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes les frères et sœurs. Une fois de plus, c'est le frère Abdul Karim du Cameroun en collaboration avec le frère Yacoub Sila. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous revenons avec le relancement de notre projet Opération Cancer Pur Cameroun 2020 en partenariat avec Amana Projet, notre puits numéro 10 dans la ville de Foumbout. Et plus précisément dans le quartier appelé Njisha, dans le village appelé Njisha. Voilà comment, Inch'Allah, nous commençons avec le déroulement de nos travaux pour le puits numéro 10. Et nous espérons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça sera un succès. Et ainsi comme le puits passé, le puits numéro 1 jusqu'au puits numéro 9, nous espérons par la grâce d'Allah que ça sera toujours un succès. Et voilà comment le déroulement du puits se passe. Et nous insistons et nous mentionnons que ce puits numéro 10 a été fait devant une fondation d'une mosquée où la population a fait une fondation, mais compte tenu des moyens, la population a cédé cette fondation dont vous voyez. Tel est le cas dont nous avons sollicité à faire ce puits dans cette localité et plus précisément dans cette fondation que nous espérons par la grâce d'Allah la finition de ce mosquée. Et vous voyez toute la population qui sont présent pour le relancement et pour le lancement de ce projet et de ce puits, opération Cancer Pur numéro 10. Et voilà, nous allons passer la parole au représentant du chef pour qu'il essaie de donner son mot de satisfaction pour ce puits, opération Cancer Pur numéro 20 en partenariat avec Amana Projet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je remercie ce don qui nous est arrivé dans le village de Jincha. Ce don arabe que vous nous aidez, vous êtes là pour aider les gens, les pauvres comme nous. Nous sommes là, on a manqué de l'eau. Depuis qu'on a commencé même notre mosquée là, il n'y a pas moyen. Comme vous êtes venu nous soulever pour ça, pour nous aider, vraiment je vous remercie au nom d'Allah. Vraiment. Et l'eau que vous êtes en train de nous partager là, ça va vraiment, on vous récompense pour ça. Nous sommes très d'accord, toute la population, toute la population sont là pour vous remercier. Barakallahu fik, wa jazakumullahu khairan. J'espère que toutes les frères et sœurs, vous avez suivi le mot du chef et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans vos moyens et de vous assister dans vos actions et de vous faciliter vos tâches comme vous êtes en train de faciliter la tâche du peuple camerounais. Et nous arrêtons à ce niveau et nous disons, nous vous rappelons de la parole du messager où il dit « Man bana lillahi masjidan, bana Allah lahu baytan fi jannah » et nous profitons pour vous montrer l'endroit où cette population a essayé de faire pour respecter les saintes prières quotidiennes, essayer de prier en jama compte tenu des moyens qu'ils n'ont pas pour finaliser la fondation de la mosquée. Et voilà où ils essayent de faire la sola. En ce moment de saison de pluvieuse dont nous sommes au Cameroun, parfois ils n'arrivent même pas à effectuer la sola à cause de la pluie. Et nous espérons que la réalisation de ces mosquées dans la ville de Njisha serait dans nos projets futurs. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous assister et de vous accorder le bien dans ce bâtiment et dans l'au-delà. Wa haza wa sallallahu ala nabi karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.